Bienvenue sur Hôtel Éternel. En ce samedi 2 septembre 2017. Bon, j'ai lancé une analyse complète de Symantec. À 16h07 et 2 secondes. Il est 16h23. Il m'a déjà trouvé 6 risques détectés, dont un il faut redémarrer. Bon, ça peut mettre 1h30. Peut-être que je vais y arriver à me reconnecter. Un virus, c'est sûr. Comme pour la santé, bientôt ils vont dans les vaccins avant la maladie. Bon, je m'étais encore énervé hier. Donc ce matin, j'ai rendu les clés, le téléphone, et j'ai mis un petit mot dans la boîte à tata. Plus hier, c'est le jour de la musique, normalement. Vendredi soir. Mais il n'y avait pas répète. Mais sur la télé, il y avait des variétés sur la 3. Il y avait tout mon année de fabrication et mon année de livraison, ce qui se passait à l'époque. Ça permettait de comprendre plein de trucs. Et dès qu'elle a pris son putain de cacheton pour dormir, elle a commencé à me péter les couilles. Bref, j'avais d'autres choses à dire, dans les rêves du matin, dans les vrais songes. Le film, en même temps, il se passait au port, parce qu'il y avait Moby Dick, mais il se passait tout au long d'une montagne, parce que c'était au ciel, en noosphère. J'arrêtais pas de faire des allers-retours vitesse-lumière dans le rêve. Comprends, je posais une question là, puis une question là, tac, tac, tic, tac, tac. Tu sais, le disque mou, quoi, la mise à jour, merde. Le disque dur, ils font bien les mises à jour, pourquoi pas vous? Vous comprenez pas que la vie sur Terre est une escroquerie? La loi des hommes, c'est que de la merde. Déjà qu'on m'emmerde pas dans la vie, c'est pas mal, mais surtout qu'on n'emmerde pas ma survie, la survie de mon âme. Ouais, fallait que je parle d'âme et puis tout ça aussi. Qu'on apprenait toujours pas ça à l'école. Et qu'avec les sous du TPU, je vais faire des nouvelles écoles où on apprendra l'âme. En fait, le but du jeu, déjà, c'est de rassembler tous les chrétiens, parce qu'il y en a toutes sortes, ils sont pas d'accord. Et puis en fait, les monothéistes, le but du jeu. Et puis après, tu rajoutes les brahmes et puis les bouddhistes, puis tout ça, ça fait une trilogie de quintessence. C'est pour ça que je bois ma bière au 35, boulevard de Riquier. Parce que c'est une trilogie de quintessence. Pas compliqué. Toujours justivirus. Voilà, voilà, voilà. Mais j'en veux pas, tata. Voilà, c'est les cachetons qui tuent, ça que je voulais dire. Tous les gens que ça fait 20 ans ou 30 ans qui sont sous cacheton, comme vous tuez leur âme, c'est-à-dire l'amour de Dieu, ben vous en faites des tueurs. Avec vos putains de benzodiazépines de merde et vos lexomil pourris, vos cérestas, tous vos saloperies de merde. Ça devrait être interdit tout ça. C'est ça qui rend les gens complètement tarés. Hein. C'est plus eux après. J'aimerais encore d'autres trucs à dire. C'est compliqué. Ah ouais, regarde s'il est pas beau. C'était mon petit melon pour combattre le racisme. Okay. C'est que vous allez arrêter votre vestige de merde. Cacheton, cacheton, cacheton. Le français est le plus gros bouffeur du cacheton du monde. C'est pour ça qu'il est complètement niqué de la tête. Par la guerre, il enlève l'esprit des peuples. C'est une volonté de nuire. Hein. Par la télé, les médias et tout ça, ils enlèvent l'esprit de famille. Et par les cachetons, ben, ils enlèvent l'esprit individuel.
Donc les disques mous, ils ne sont pas connectés. C'est ça, les 90% qui ne vous servent à rien. C'est la subconscience. D'ailleurs, je vais aller faire une petite sieste pour la peine. Bon, toujours ces virus, seulement. 34 000 fichiers d'explorer. Analyse totale demandée. Jamais. Ah bon? Peut-être pour ça aussi, remarque. Donc. En fait, attends, fallait dire par rapport à la mer. Si vous bousillez la mer avec votre uranium de merde et toutes vos saloperies, là. Réchauffement climatique, je crois pas que ça y fait un peu ça. Alors c'était la mer Méditerranée, en même temps c'était la mer avec accent Méditerranée. Tu vois, un truc comme ça. Que le règne vienne, bordel. Comment je vais faire à rassembler tout le monde? Si vous comprenez rien à ce que je vous dis, même pas la peine. Mais j'y arriverai sans pognon. Tous les trucs qui brillent, les diamants, les machins, le fric, la corruption, le mensonge. C'est en dessous de la ligne de flottaison. C'est le pic et le trèfle. Le mensonge, la corruption, tout ça, quoi, merde. Au-dessus, tu fais monter l'esprit. C'est le cœur et le chaos. C'est l'amour, le droit, la justice. Mais pas la justice des hommes. La justice de la subconscience. De l'esprit collectif, du devenir de l'ensemble. Je ne peux pas vous expliquer mieux. Et vous ne voulez pas comprendre. Vous préférez... Il faudrait interdire la télé. Alors pas plus qu'une heure par jour, ou alors une bonne émission. Hier c'était pas mal, parce que tu pouvais comprendre l'espace-temps, le changement d'époque, les années 70. D'ailleurs je voulais dire que tous ceux qui ont été fabriqués en 68, et qui sont sortis en 69, ils ont du yin et du yang normalement. C'était le moment où ils se foutaient des pavés dans la gueule, mai 68. Et c'est le début des studios, début de Chaumont, là, j'en ferai quoi. Je suis la mampena qui secoue ces chaînes. J'espère que je vais bien réussir à me connecter, parce que là, j'ai plus de 20 films envoyés. Entre Tata qui me gonfle, Lordi qui me gonfle, pas de téléphone, rien du tout, pas de tabac. Putain, chef d'état d'âme, il est clochard. Il est miséricordieux. Je peux dire que je sais ce que c'est. Misérie, plus loin corps, plus loin Dieu. Directeur d'induction d'énergie universelle. Et le diable, à notre époque, tu pourrais dire. Directeur d'intelligence artificielle, bernant l'esprit. Je ne me lasserai jamais de le dire. Ah, il y a un petit peu de vent, il ne fait pas très très beau. Ça a rafraîchi pas mal. Plus que t'es au froid, plus qu'il y a de bon Dieu, puisque l'eau pure est, elle est dans les glaciers. T'as même des émirs ou des machins, des blindés de thunes. Ils se font livrer des glaciers en remorqueur pour avoir de l'eau pure. Non mais. La différence entre l'eau douce et l'eau salée, c'est que l'eau douce c'est un isolant et l'eau salée c'est un conducteur. Ça dépend des minerais et des machins. Comment je vais faire? Pas fastoche la mission. Le but du jeu, c'est de rassembler les brebis. Et c'est d'avoir la paix sur Terre pour des siècles et des siècles. Inch'Allah, amen, Iraïm et tout ce que tu veux. Mazel Tov.